Now, let's just check some scriptures. Alors, voyons quelques écritures. Ecclesiastes, chapter 2, verse 26. Ecclesiastes, chapitre 2, verset 26. And I'm still sharing the message. Et je voudrais partager le message. Wealth transfer. God is transferring wealth. Transfert de richesse. Dieu est en train de transférer la richesse. To the church. À l'église. Right, wealth transfer. Financial revival. D'accord, le transfert, le réveil financier. Somebody say financial revival. Que quelqu'un dise le réveil financier. We have how many revivals? Nous avons combien de réveils? One. Numéro 1. Word revival. Premièrement, le réveil de la parole. And second, prayer revival. Deuxièmement, le réveil de la prière. Then we have ministry revival. Ensuite, nous avons le réveil du ministère. Then we have ensuite, worship revival. Le réveil d'adoration. Then we have financial revival. Après, nous avons le réveil financier. All right, see from the scriptures, from the Bible. Alors, on voit dans les Écritures, depuis la Bible. I love this. Read together. One, three, go, read. Et j'aime cela. Lisons cela ensemble. Un, deux, trois, lisons. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. For God gives wisdom, car Dieu donne la sagesse, wisdom, la sagesse and knowledge, et la science and joy, et la joie to a man who is good in his sight, à un homme qui est agréable à ses yeux. But to the sinner, mais au pécheur, he gives the work of gathering and collecting. Il leur donne le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. J'ai un problème ici. J'essaie de ne pas trouver une question ici, mais je pose une question. Qui êtes-vous? Your neighbor is. Ou bien, qui est votre voisin? The Bible says, la Bible dit God gives wisdom and knowledge and joy que Dieu donne la sagesse, la science et la joie to he that is good à celui qui est bon before his sight. Devant lui. But to a sinner, mais à un pécheur, he gathers, puts things together, il rassemble, il amasse so that someone can collect. Afin que quelqu'un vienne prendre cela. Now, I'm suspecting your neighbor right now. Alors là, je suspecte votre voisin maintenant. I'm suspecting your neighbor right now. Oui, maintenant, je suspecte votre voisin. Some people are working day and night. Certaines personnes travaillent jour et nuit for some good banks to correct. Pour que d'autres personnes agréables prennent cela. The Bible saying, la Bible dit, God gives. Dieu donne knowledge, la science, wisdom, la sagesse. And what? How many things over there? Et quoi? Combien de choses alors là? Alors rapidement, la traduction du message, la version traduction du message, la Bible dit God give what? Que Dieu donne quoi? Wisdom and knowledge and joy to his what? Favorites. La sagesse et la science et la joie. À qui? À ses favoris. But sinners are assigned a life of hard labor. Mais les pécheurs sont assignés à vivre une vie de dur labeur. And end up turning their wages over to God's favorites. Et finissent par donner tout ce dont ils ont travaillé pour aux favoris de Dieu. Nothing but smoke and spitting into the wind. Rien que la fumée et la poursuite du vent. Now, this is the moment I want to talk to you to say the Bible says. Alors, ce moment où je vous parle, la Bible dit. Sinners gathers. Que les pécheurs rassemblent. So that God's children can correct. Afin que les enfants de Dieu prennent cela de leurs mains. I just told you that right now, and I don't know who you are. Je vous ai juste dit cela maintenant. Je ne sais pas qui vous êtes. Who are you? Qui êtes-vous? Who are you? Qui êtes-vous? You see, if you are in the business of hard working, hard labor, yet you can't enjoy. Alors, si vous êtes dans les affaires de dur labeur, vous ne pouvez pas être dans la joie. Then I need to correct this mistake tonight. Alors, je dois corriger cette erreur ce soir. Because you are not a sinner. Parce que vous n'êtes pas un pécheur.
I can promise you that. Say, I'm not a sinner. Je vous promets cela. Dites, je ne suis pas une pécheresse. Say, I'm righteous. Dites, je ne suis pas un pécheur. Say, I am holy. Je suis saint. You're not. Vous n'êtes pas un pécheur. The Bible says God gives. La Bible dit que Dieu donne. Not prosperity, not money. Pas la prospérité, pas l'argent. But he gives wisdom. Mais il donne la sagesse. He gives knowledge. Il donne la science. And he gives joy. Et il donne la joie. But he that is a sinner, he gathers so that the favorites. Mais celui qui est un pécheur rassemble, il amasse, afin que les favoris. How many here are favorites? Combien d'ici sont les favoris? Can I say God's favorites? Est-ce que je peux voir les favoris de Dieu? The Bible says so that the favorites. La Bible dit les favoris. Can pick the things. Recueille cela. Gather together by. Tout ce qui a été amassé par. By sinners. Les pécheurs. We're gonna come back to that scripture. Nous reviendrons à cette écriture. We are not yet there, so I don't want to confuse you. Nous ne sommes pas encore là, donc je ne voudrais pas vous embrouiller. So, the Bible here says, alors la Bible ici dit God gives. Que Dieu donne. We may have you, some of you here in the church who, nous avons peut-être certains d'entre vous ici à l'église. You are not right before the Lord. Vous n'êtes pas juste devant le Seigneur. And you pray day and night for money. Et vous priez jour et nuit pour l'argent. God will not give you money. He'll give his children. Dieu ne va pas vous donner de l'argent, mais il vous donnera des enfants. Those standing right in his sight. Ceux qui sont justes devant lui. You see, vous voyez? We're not just preaching the gospel. Lorsqu'on prêche l'évangile, oh, everybody who is here, it's time for wealth transfer. Tous ceux qui sont ici, il est temps pour le transfert de la richesse. It's living sinners, it's coming to you. Cela quitte les pécheurs et cela revient à vous. Mais pendant que vous êtes un pécheur, ça vous quitte et ça va au niveau du juste. Who are your neighbors? Qui sont vos voisins? We're not just preaching, huh? Nous ne prêchons pas seulement. Oh, hallelujah. Hallelujah. God is remembering the church. Dieu se souvient de vous dans l'église. No. Non. You got something to do. Vous avez quelque chose à faire. You better stand right before the Lord. Vous pouvez être juste devant Dieu. You better stand right before the Lord. Vous devez être juste devant Dieu. This is the biggest problem we have. Voici le grand problème que nous avons. We have people who don't know the meaning of standing right before God. Nous avons des gens qui ne connaissent pas la signification de se tenir debout juste devant Dieu. How many are righteous? Combien être juste? How many? I want to see your hand up. Je voudrais voir vos mains. How many are sinners? Combien sont pécheurs? Do you think Jesus will come and say, est-ce que vous pensez que Jésus viendra et vous dira que vous êtes un pécheur? Allez en enfer. Il ne fera pas ça. Il se tiendra debout seulement et vous regardera. Vous-même, vous saurez. Je ne suis pas bien positionné. That's the meaning of God's holiness. Voilà la signification de la sainteté de Dieu. When we say God is holy, lorsque nous disons que Dieu est saint, we don't mean that he will say, no, I'm holy. No, you just look at his holiness and say, I think, no. Nous ne disons pas qu'il viendra seulement dire, je suis saint. Non. He will not say a word. He will just look you. Il ne dira pas un mot. Il va juste vous regarder. And you begin to remember everything yourself. Et vous commencerez à vous souvenir de tout, vous-même. Without anyone reminding you anything. Est-ce que quelqu'un va vous rappeler quelque chose? Non. Tell your neighbor next to you. Say, get things right. Dites à votre voisin, fais les choses justes. So you have an opportunity. Dites, tu as l'opportunité. Now, I didn't hear you. Tell your neighbor, get things right. Je ne vous ai pas entendu. Dites à votre voisin. Tell them again, get things right. Faites bien les choses. If you want wealth transfer, si tu veux le transfert de la richesse, stop being wicked. Arrête d'être méchant. This is not for the wicked. Ce n'est pas pour les méchants. It's for
God's children. C'est pour les enfants de Dieu. I don't know why. I don't know why. Nothing is coming. I've been praying. Sometimes just stand and begin to look at your ways. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Rien ne vient. Je priais depuis. Et Dieu se tient debout et commence à regarder vos voies. Just check your ways and say, where am I wrong? Mais regardez bien votre monde et demandez-vous où est-ce que vous étiez mauvais. Where am I wrong? Because we are dealing here with God's blessings. Où est-ce que vous ne faites pas bien les choses? Nous sommes chaque jour dans les bénédictions de Dieu. Now, I wrote in my book. Alors j'ai écrit dans mon livre. I've been praying the whole week using that book. Je priais en utilisant ce livre. Mystery surrounding your money. Les mystères autour de votre argent. How many know the book? Combien connaissent ce livre? All right. In that book, I wrote everything. Dans ce livre, j'ai tout écrit. And I mean everything about money. Et je dis tout à propos de l'argent. Because most Christians don't know the meaning of money. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la signification de l'argent. I was talking to some of my sons and daughters yesterday. Je parlais à certains de mes fils et filles hier. I said, you see, people don't know what is money. Et je leur dis, vous savez, les gens ne savent pas ce qu'est l'argent. That's the biggest problem we have. Voilà un plus grand problème que nous avons. The problem is wicked people out there, they know money. C'est que les gens méchants là-dehors, ils connaissent l'argent. And you know nothing about money. Et vous, vous ne connaissez rien à propos de l'argent. The fact that you went to school, you did accounting. Le fait que vous ayez été à l'école et que vous avez étudié la comptabilité. You are chartered or you are whatever you call yourself or you did a doctorate in management in financing. Ou bien vous avez fait le doctorat en management ou dans les finances. That does not mean you know money. Cela ne veut pas dire que vous connaissez l'argent. To manage something, you can manage a football club, but you don't know how to play it. Pour gérer quelque chose, vous pourrez gérer votre club de football. Il suffit juste de savoir comment jouer. That's a problem we have. Voilà le problème que nous avons. You don't know money. Do you know what is money? Vous ne connaissez pas ce que c'est que l'argent. Savez-vous ce qu'est l'argent? You see, that's what they tell you. They tell you money is a medium of exchange. C'est ce qu'ils vous ont dit, que l'argent est un moyen d'échange. But that's not that. Mais ce n'est pas ça. Unfortunately, the real people know what is money. Et heureusement que les vraies personnes savent ce qu'est l'argent. The world knows. You see, the world knows what is money. Pendant que certaines personnes savent ce qu'est l'argent, and they are, you see, able to manipulate it. Et ils sont capables de manipuler cela to their direction. Dans leur direction. And Christians are failing to manipulate money to their direction. Et la création échoue de manipuler l'argent dans leur direction. I asked a question to some people yesterday. I said, j'ai demandé à certaines personnes hier. According to you, what is money? Je dis, selon toi, qu'est-ce que l'argent? Oh, it's a medium of exchange. Oh, c'est un moyen d'échange. It's a medium of, I said, no, it's not a medium of exchange. Je dis, non, ce n'est pas ça. It's not. In fact, there is nothing like my money. It's not your money. En fait, il n'y a rien comme mon argent. Ce n'est pas votre argent. Oh, let me teach you something. Just give me that small paper of money. Laissez-moi vous enseigner quelque chose. Donnez-moi ce billet. It won't be mine. I promise I'll give you back. C'est votre argent. Je vous promets de vous le rendre plus tard. This is money, right? How much is this money? Vous savez, ça c'est l'argent, ou bien combien est cet argent? 200. Deux rounds. When you ask somebody what is money, they'll be like, money is a paper that is used to buy and selling things. Lorsque vous demandez à certaines personnes qu'est-ce que l'argent, ils diront que l'argent c'est un papier qui vous aide à acheter les choses. Or money is a medium of exchange. Ou l'argent c'est un moyen d'échange. Right? But that's not the meaning of money. Mais ça, ce n'est pas la signification de l'argent. And I, as a leader of this church, et moi, en tant que le leader de l'église, I am, it's my obligation to teach you. J'ai l'obligation de vous enseigner. As my church. Vous, en tant que mon église. We are about to prophesy to money tonight. Nous sommes sur le point de prophétiser sur l'argent ce soir. Now watch this. Watch this. Maintenant regardez ceci. So money is not this piece of paper. Alors l'argent ce n'est pas ce bout de papier. One can make a
a piece of this of paper. Quelqu'un peut reproduire ce bout de papier. It'll be called fake. Et l'appeler faux billet. Because it doesn't have a sense of ownership. Parce que cela n'a pas le sens de la propriété. And there is no money like my money. You have no money. Et il n'y a rien comme mon argent. Nobody owns money. Vous n'avez pas d'argent. Money is owned by the reserve bank. Personne ne détient l'argent. C'est la banque qui détient l'argent. You didn't hear that, right? Vous n'avez pas entendu cela, n'est-ce pas? So I was saying yesterday, I said, this money, alors je disais hier que cet argent, the power of this money, le pouvoir de cet argent, it is what is in the reserve bank of the country. Est ce qui est dans la banque du pays. Did you hear that, right? Vous avez entendu cela? The power of the money is what is in the reserve bank of the country. Le pouvoir de cet argent est ce qui est dans la réserve de la banque du pays. So what is in the reserve? Alors, qu'est-ce qui est dans la réserve? Is leveraging the power of this paper. Est ce qui régénère la puissance ou le pouvoir de ce papier. For example, exemple. I'll just give an example. For example, je donne un exemple. If in the reserve bank there is 1 billion, si à la banque de réserve il y a 1 milliard, the worth of what is in the reserve bank, la valeur de ce qui est dans la banque de réserve, the materials, the gold, what's the oil, the, matériellement, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, all the things, if it's worth $1 billion, just for example, toutes les choses. Disons que tout cela, la valeur fait 1 milliard de dollars. Par exemple, the money printed by the reserve bank, l'argent qui a été imprimé par la banque de réserve must be equivalent, doit être équivalent to what is in the reserve, à ce qui est dans la réserve. So if the reserve bank keeps, for example, 1 billion worth, alors si la banque de réserve garde 1 million of gold, worth of oil, worth of all those, that's called reserve. De valeur d'or, de pétrole, tout cela est appelé la réserve. The meaning of reserve, it is having something in reserve. La signification de réserve, c'est avoir quelque chose en réserve. To revelate what you have in your pocket. Pour révéler ce que vous avez dans votre poche. Now, just for example, un exemple, s'il vous plaît. If the reserve has got 1 billion worth, si la réserve a 1 milliard de valeur, it means what they must print out is worth what is in the reserve. Ça veut dire que ce qui doit être imprimé doit être la valeur qui se trouve dans la réserve. Now, if the reserve has used, maintenant, si la réserve a utilisé some things, des choses, for example, oil, gold, par exemple, le pétrole ou l'essence, l'or, and other things, it means it's no longer 1 billion. Et d'autres choses, ça veut dire que ce n'est plus 1 milliard. For example, they've used about 500 million. Par exemple, s'ils ont utilisé 500 millions, it means what, how much in the reserve? Ça veut dire qu'il y a combien maintenant dans la réserve? 500 million. 500 millions. But the money that has been printed out is what? Mais l'argent qui a déjà été imprimé est combien? 1 billion. 1 milliard. So what's gonna happen? Alors, qu'est-ce qui va se passer? They will reduce that money by half. Ils vont réduire cet argent à la moitié. The strength of that money by half. Le pouvoir de cet argent à la moitié. In order to balance what is in the reserve. Pour équilibrer ce qui se trouve dans la réserve. That's why you have got money what? C'est pour cela qu'on voit que l'argent fait quoi? So you have got money. The money has lost value. C'est pour cela qu'on voit que l'argent a perdu de valeur. Oh, we are now on exchange is one to this number. Alors, lorsqu'on veut faire l'échange, c'est tel montant pour tel montant. Now it's, oh, it has gained. Maintenant, il y a une plus-value. Why it has gained? Because some few things have gone back into the reserve. Pourquoi cela a augmenté? Parce que certaines choses sont rentrées dans la réserve. Giving back the currency, the money you have, power. Et maintenant, à donner en retour à l'argent que vous détenez le pouvoir. Alors, lorsque vous tenez cela, selon vous, c'est juste de l'argent dans votre main, mais vous ne savez pas le mystère derrière cela. Oh, did you hear that? Oh, vous avez entendu cela. That's why it's not your money. C'est pour cela que ce n'est pas votre argent. It may be in your account. Cela peut être dans votre compte. But any mistake you do with it, mais toute erreur que vous faites avec cela, the reserve bank will come after you. La banque de réserve viendra après vous. They'll come after you. Ils viendront après vous. With your own money, they'll be like, it's my money. They'll be like, no, 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 no,
Même si vous dites que c'est votre argent, ils vous diront non. We have questions against you. Nous devons vous poser des questions. Because according to them, it's not your money. Parce que selon eux, ce n'est pas votre argent. So what must you do then, as a Christian? Alors, qu'est-ce que vous devez faire par conséquent en tant que chrétien? To have your own money. Pour avoir votre propre argent. So you need to create money from money. Vous avez besoin de créer l'argent par l'argent. By having something out of the money. Pour avoir quelque chose en dehors ou quelque chose qui provient de l'argent. That you can leverage against. Que vous pouvez multiplier. No, you didn't hear what I just said right now. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. And I was saying yesterday, et je disais hier, do you know you can have 50 billion in your account? Savez-vous que vous pouvez avoir 50 milliards dans votre compte? And one can have 50,000 in his account. Et quelqu'un peut avoir 50 000 dans son compte. Yet the richest between the two of you. Cependant, le plus riche parmi vous could be the one with the 50,000. Pourrait être celui qui a 50 000. Because the one with the 50,000. Parce que celui avec 50 000. How rich you are is not how much you have in your account. Combien riche vous êtes n'est pas combien vous détenez dans votre compte. How rich you are is how much worth you are in assets. Combien riche vous êtes, c'est combien de richesses vous avez dans les actifs. It's not the liquidity. Ce n'est pas la liquidité. It is how much rich you are in what? C'est combien riche êtes-vous dans quoi? In assets. Dans les actifs. Because you have got, you may have no money in your account. Vous avez peut-être l'or, mais vous n'avez rien comme argent dans votre compte. But in assets, you are rich. Mais en actifs, vous êtes riche. In other words, en d'autres termes, you have got some things. Vous avez certaines choses. You have got assets. Vous avez des actifs. The same way the Reserve Bank have got assets in the Reserve Bank to leverage the money. De la même manière que la banque de réserve a de l'or dans sa banque pour multiplier l'argent. You too, you have got money in what? Vous-même, vous avez de l'argent où? Assets. Dans vos actifs. To leverage the what? Pour multiplier quoi? The money. L'argent. So you can actually go there. Alors, vous pouvez en fait aller là-bas. And look at one of your property. And this. Et voir l'une de vos propriétés. With someone to go there and say, how much is this worth? Vous dites, combien vaut cette richesse? It'd be like, it's actually 15 million. Ok, on dirait que c'est 50 millions. Yet you don't have money in your account. Mais cependant, vous n'avez pas de l'argent dans votre compte. In your hands. Dans vos mains. So you are able to leverage a property. Mais vous êtes capable de révérer une propriété. Look at your neighbor. Say, I'm here. Maintenant, regardez votre voisin et dites-lui, je suis ici. Now, you see Christians. Vous voyez les chrétiens. Okay, so you don't know money. Vous ne connaissez pas l'argent. Oh, according to you, it's a paper. Selon vous, c'est un papier. That's why when a person gives you some money, c'est pour cela que si quelqu'un vous donne de l'argent, all you do is to hold it in your hands and use it. Tout ce que vous faites, c'est de le tenir ferme dans votre main et utiliser cela. Poor people save money. Les gens pauvres économisent. Rich people invest money. Les gens riches investissent. You don't hear what you say right now. Non, vous n'avez pas entendu cela maintenant. The Bible says, go and subdue nations. La Bible dit, allez et soumettez les nations. Soumettez les nations. How would you subdue? Comment est-ce que vous pouvez soumettre? That's what the Bible says. To his favorites. C'est pour cela que la Bible dit à ses favoris. He gives them knowledge. Il leur a donné la connaissance. Knowledge to know what is money. You must have knowledge. La science pour savoir ce qu'est l'argent. Vous devez avoir la science. It takes the knowledge of God. Il faut la connaissance de Dieu. And his wisdom. Et sa sagesse. For you to understand what's going on in the world. Pour que vous compreniez ce qui se passe dans le monde. Poor people are paying for the time they have worked for. Les pauvres sont payés par rapport au temps qu'ils travaillent. Rich people are paid for the results they have produced. Mais les riches sont payés par rapport aux résultats qu'ils produisent. It doesn't matter. Cela ne compte pas. You meet a rich guy. Vous rencontrez quelqu'un de riche. You want him to
to do something for you. It doesn't matter whether I did it in 10 minutes. Vous voudriez qu'il fasse quelque chose pour vous, peu importe ce qu'il fait dans 10 minutes. As long as what you wanted has given you the results. Aussi longtemps que vous voulez qu'il vous donne le résultat. Well, poor people, they must work from 6 in the morning. Pendant que les gens pauvres, ils doivent travailler à partir de 6 heures du matin. To 6, if you don't work for 2 hours, they'll be like, hey, come. À 18 heures. Si vous ne travaillez pas pendant 2 heures de temps, on t'appelle, on dit, come, come here, sign here, now, sign, sign. Viens, viens, signe ici, maintenant signe ici. Sing. Well, rich people, they don't have to sign anywhere. Mais les gens riches, ils n'ont pas besoin de signer quelque part. They'll be like, what you want are results, right? Yes. Ils disent, ce que tu veux, c'est des résultats, n'est-ce pas? Okay. You want results by when? Oui, d'accord. Tu veux le résultat quand? Okay, I want results of this project by next week. Voilà, je veux le résultat de ce projet d'ici la semaine prochaine. Okay, by next week, yeah. D'accord, la semaine prochaine. So the guy can work all night. Alors, le gars peut travailler durant toute la nuit. And he finish. Et il finit. And have all 6 days. Et maintenant, avoir 6 jours. Just sleeping and moving around. Pour seulement dormir et faire ce qu'il veut. He will be paid for results. Not for what? Il sera payé pour le résultat et non pour quoi? Not for the time. Et non pour les heures. Where you are, you should start thinking. Lorsque vous commencez à penser, I need to have something. Je dois avoir quelque chose. My own company that I can actually be paid by my company. Ma propre société pour que je sois payé par ma société. For the results. Pour les résultats. You're working from different companies. We thank God for the work you're working, but have something aside. Mais vous travaillez pour différentes sociétés. Nous remercions Dieu pour le travail que vous faites. Mais ayez quelque chose à côté. That must pay you. Qui doit vous payer. For the what? Pourquoi? For the results. Pour le résultat. So money is not what you have in your hands. Alors l'argent n'est pas ce que vous détenez dans vos mains. It is what is revealing it. C'est ce qui est multiplié. So it is very important for you. Alors c'est très important to also produce something pour vous de produire également quelque chose from the money that you must revelate it de l'argent afin de pouvoir multiplier cela against the same money. Contre ce même argent. You didn't hear what I just said. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. So in any amount you have, alors, dans n'importe quel montant que vous avez, think of, pensez à. Otherwise, I don't want this in our church. Sinon, je ne voudrais pas ceci dans notre église. Where money is ruling you. Où l'argent vous dirige. You must rule over money. Vous devez diriger et gouverner l'argent. If I won't teach you this, all this season is useless. Si je ne vous enseigne pas ceci, toute cette saison vous sera inutile. All this period where God is doing, you see, giving back money to the church. Toute cette saison pendant laquelle Dieu donne l'argent à l'église. It's useless because I will release the prayer to you. You will receive money, but you want to know how to use it. Cela sera inutile parce que je relâcherai seulement les prières. Vous allez recevoir de l'argent, mais vous ne connaîtrez pas comment utiliser cela. And you'll be like, I don't know what happens to me. I touch money, it disappears from my hands. I can't even point what I have done. Hallelujah. What are you talking about? Et vous direz que vous ne savez pas ce qui vous est arrivé. J'ai eu l'argent, cela a disparu d'entre mes mains. Je ne peux même pas faire le point de ce que j'ai fait avec l'argent. Alléluia. De quoi parles-tu? Some of us, 10,000 can change our story. Certains d'entre nous, 10 000 peuvent changer notre histoire. I'm telling you the truth. Je vous dis la vérité. Some of us, 20,000. Certains d'entre nous, 20 000. Can change the whole story. Peut changer toute l'histoire. But the problem is you don't know what is money. So when you hold it in your hands, all you think is. Mais le problème c'est que vous ne savez pas ce qu'est l'argent. Alors vous tenez cela entre vos mains et tout ce à quoi vous pensez. As
They deceived you, a medium of exchange. So the only thing you think. De la manière dont ils vous ont trompé. Alors la seule chose à laquelle vous pensez. When it's in your hands, I must exchange. Lorsque c'est entre vos mains, je dois changer cela. I must make a payment. I must buy something. I must do that. I must do that. Je dois faire un paiement. Je dois acheter quelque chose. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Wait. Attendez. Relax. Détendez-vous. You must be righteous because God says He gives knowledge and wisdom to what? Vous devez être juste parce que Dieu dit qu'il donne la sagesse et la science à qui? So what God is giving you now is what? Alors ce que Dieu est en train de vous donner maintenant, c'est quoi? It's wisdom and what? C'est la sagesse, c'est quoi? I'm telling you, what God is giving you right now is knowledge and wisdom. Je vous le dis, ce que Dieu est en train de vous donner actuellement, c'est la sagesse et la connaissance. Oh, I receive money. Oh, I receive, papa. I want financial breakthrough. Oh, je reçois l'argent. Papa, je veux une percée financière. OK. D'accord. God gives you. Dieu t'a donné. Before we know it. Avant que nous ne sachions. Where you are thinking there'll be like 1 million that will come to you first. Là où vous vous trouvez, vous pensez qu'il faut nécessairement 1 million qui doit venir d'abord. For you to be rich, you don't need that. Pour que vous soyez riche, vous n'avez pas besoin de cela. All you need is knowledge over money. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la connaissance sur l'argent. Knowledge. La connaissance. Knowledge over money. La connaissance sur l'argent. Tell you about knowledge over money. Dites à votre voisin la connaissance sur l'argent. Say that again, knowledge over money. Dites cela encore, la connaissance sur l'argent. That's why they say we will make money because money can be made. C'est pour cela qu'on dit je vais me faire de l'argent parce que l'argent peut être fait. Otherwise, you'll be praying in church every single day. Sinon, tous les jours, vous serez en train de prier à l'église. Believing God for financial breakthrough and the croyant Dieu pour la percée financière. Breakthrough because you see. Et il n'y aura pas de percée parce que, vous voyez, you need to work it out. Vous devez travailler à cela. That's what Jesus said. He gave a parable of two people. C'est pour ça que Jésus a donné une parabole de deux personnes. One who took the money and hid it. And what? And saved it. L'une qui a pris l'argent, qui a caché cela. Il a économisé. And one took the money and what? Invested. Et l'autre a pris l'argent et l'a investi. And Jesus said, et Jésus a dit, the one who saved, celui qui a économisé, the master will take it out from him, le maître lui arrachera cela, and give the one who is investing, et donnera à celui qui investit. I was saying to some few people, I think on Saturday, I said, je disais quelque chose à certaines personnes le samedi, je crois. Je disais, you see, we have got so many educated people in the church. Vous voyez, nous avons tellement de personnes scolarisées à l'église. And education, some people say it is the end of foolishness. Et pour l'éducation, certaines personnes disent que c'est la fin de la folie. But trust you me, we have so many educated fools. Mais croyez-moi, nous avons tellement d'idiots instruits.